Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre projets en un seul. Je vais vous proposer quelque chose qui peut paraître très simple, à savoir des marque-pages. Mais pas seulement le marque-page classique que l'on connaît tous, quoique je trouve toujours ça très joli. On peut faire des choses très très sympas, mais je vais vous proposer trois autres alternatives format de marque-page. Donc le premier, c'est ce que je vous disais, voilà le format le plus classique. Donc j'ai encore une fois utilisé la collection Caprice de Météo pour réaliser mes projets. J'aime beaucoup ces papiers, j'aime beaucoup les petits personnages. Je les ai agrémentés d'autres ingrédients, comme ici notre alphabet à loisir, le nouveau set de poinçons lettres alphabet que j'aime beaucoup. Donc j'ai marqué lire pour une journée du tonnerre. J'avais oublié ce que c'était. Donc voilà ce que je vous propose pour le premier marque-page. J'ai rajouté un petit peu de papier cuivre à certains endroits pour lui donner un petit look un petit peu amélioré. Vous verrez ça face bureau de plus près. Ensuite, deuxième alternative, c'est quelque chose que je vous ai proposé il y a déjà très longtemps, c'est le marque-page coin. Je vais vous prendre un livre, hop, je l'attrape, je vais prendre un livre, donc ben, je remontre avec le marque-page classique, mais bon, je présume que tout le monde connaît le marque-page classique. Pour marquer sa page, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ensuite, le marque-page coin que je vous propose ici, donc c'est simplement un petit coin avec une petite tortue que j'aime beaucoup, et donc je le glisse ici sur le coin d'une page comme ceci, et donc notre page est complètement marquée. On sait où on est arrivé. C'est sympa aussi, j'aime beaucoup ce format de marque-page. Troisième alternative, c'est ce que j'appelle le marque-page tranche. Je vous le glisse dessus pour que vous compreniez. Ici, le marque-page est complètement sur la tranche. Ou vous pouvez le mettre aussi en haut, mais ça reste sur la tranche. Mais ici, avec mon petit lapin, je préfère le mettre sur le côté. Donc c'est un marque-page qui se présente tout simplement comme ceci. C'est une autre forme, c'est encore plus facile à réaliser, mais j'aime beaucoup le petit effet. Et quatrième marque-page, c'est un marque-page comme ceci, avec marqué une journée du tonnerre. Il pourrait paraître très simple, mais ce marque-page est tout simplement aimanté. Je le glisse. Vous voyez, vous avez entendu le clac. Et là, il vient se pincer tout simplement de chaque côté de la page. C'est un marque-page. Je vais vous le remontrer. Hop. C'est aimanté. Et donc, du coup, il ne part pas. Il est bien fixé. J'aime beaucoup aussi ce type de marque-page. Donc voilà les projets que je vous présente aujourd'hui. Alors je ne vais pas avoir assez de mes mains pour peut-être tous vous les montrer, quoique si je le mets sur mon petit doigt. Voilà un petit peu les trois. Et puis le quatrième marque-page. Donc si vous voulez réaliser ces projets, l'un ou l'autre, je vous invite à rester avec moi. On passe de suite face bureau. Donc nous voilà face bureau. Donc je vous donne la liste du matériel pour ce premier marque-page qui est le marque-page le plus simple. Il vous faut d'abord un papier de base uni, pour moi en coloris Mélodie de Mangue. Je dois dire que c'est une couleur que j'utilise très peu et que je suis ravie de l'avoir utilisée ici. En ce moment j'essaie de sortir de ma zone de confort et d'utiliser des coloris que je n'utilise pas nécessairement très souvent. Donc ce papier uni fait 6 cm de large par 18 cm de long.
Ensuite, il vous faudra un papier métallisé, pour moi en coloris cuivre. Ce papier mesure 5,7 cm par 17,7 cm. Il viendra mater sur le devant mon papier. Il viendra se placer ici. Ensuite, il vous faut deux papiers identiques. Donc moi, c'est du papier de la collection Caprice de Météo. Et donc, ces papiers mesurent tous les deux 5,5 par 17,5. Il y a un des papiers qui va venir à l'avant, ici, et un des papiers qui va venir au dos, comme ceci. Pour la base du marque-page, c'est tout ce que nous avons besoin. On va commencer. Donc, on commence le plus simplement du monde. Je prends mon petit tapis en silicone pour réaliser mes collages et éviter de salir mon plan de travail. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez le petit filet de finition que ça apporte. Ça donne du chic à notre création. Donc là, on va prendre notre perforatrice Trio et on va venir utiliser la perforatrice. Tout. Alors, il faut y aller parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, hein, mais ça passe. Il n'y a pas de souci. Il faut juste forcer un tout petit peu. Et bien appuyer au milieu. Voilà ce que ça donne. C'est sympa, non? Ensuite, on va venir chercher ici le milieu. Je vais me lever, j'aurai plus de force. Voilà. Et voilà. Et donc là, je vais m'occuper tout de suite de mon ruban. Donc le ruban, on ne prend pas grand-chose. Une bonne vingtaine de centimètres. On coupe. Ouh, pardon. On coupe. Et là, je vais prendre mon marqueur à alcool. Alors, Mélodie de Mangue. J'aurais pu aussi le laisser blanc, vu que j'ai du blanc. Je me demande si je vais vraiment mettre du Mélodie de Mangue. Parce que tout à l'heure, le papier était plutôt à dominante blanc, donc j'ai mis du Mélodie de Mangue. Là, le papier, il est plutôt en Mélodie de Mangue, avec des touches de blanc. Je pense que je vais le laisser blanc. Donc, je vous explique quand même, mais je vous ai déjà montré plein de fois. Vous prenez votre ruban. Prenez votre point de pinceau, ça va mieux, mais vous pouvez prendre l'autre aussi. Et vous venez simplement glisser votre pointe comme ceci sur votre ruban. Vous allez voir, ça se colorie très très bien. Une fois que tout est fait, bah, c'est sec en quelques secondes. Moi, je choisis de le laisser blanc cette fois-ci. Et là, on va passer notre ruban à l'intérieur. On vient se centrer et on vient faire un nœud. Le nœud est en place. On va s'occuper des découpes lettres pour écrire le mot lire. Donc pour ça, je prends mes poinçons. Je vais prendre mon poinçon L, mon poinçon I, ici, le R et le E. Je vais venir découper des lettres. Là, je me pose la même question. Je vous ai dit de prendre du papier Mélodie de Mangue pour découper les lettres. Ici, moi, dans mon papier, je trouve qu'il y a beaucoup de Mélodie de Mangue et moins de blanc. Donc, je vais prendre du papier métallisé cuivré, ça c'est certain, en une fois, L-I-R-E. Et je pense que je vais prendre du papier blanc pour faire le contraste. Il y aura un exemplaire des lettres couleur cuivre et deux exemplaires des lettres couleur blanc ou alors de la couleur que vous avez choisie pour votre écriture.
Je fais ça hors caméra et je reviens. J'ai découpé toutes mes lettres qui sont ici. On va les coller ensemble. Donc je vais d'abord prendre à chaque fois mes lettres ensemble. Donc là, je vais prendre les L que j'ai en trois exemplaires. Je fais la première avec vous. Donc je vais mettre des petits points de colle. Je vais essayer de vous rapprocher en gros plan pour que vous voyez. J'essaie de pas mettre trop de colle. De toute façon, ça colle très bien. Et là, je prends un des exemplaires du L, s'il veut bien venir. Et le but, ça va être de le coller, mais en laissant un petit millimètre, même pas, un petit filet doré, comme pour mater la lettre. Ensuite, s'il y a un petit peu de colle qui déborde, moi, je prends une petite lingette. Et je viens essuyer de suite ce qui peut avoir dépassé pour obtenir quelque chose de propre. Je vais vous la montrer en gros plan. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Est-ce que vous voyez le bord? Je ne sais pas. En tout cas, il faut laisser un petit rebord. Et par contre, les lettres blanches, ils viennent l'une sur l'autre sans décalage. Donc, on va pouvoir commencer la mise en place. Donc, je regarde où je vais placer ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça va mieux ressortir en blanc, je suis plutôt d'accord. Donc, c'est parti. Donc voilà pour les lettres. J'aime beaucoup en blanc aussi, ça ressort bien sur le papier à motif. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Je ne sais vraiment pas si vous voyez le papier cuivré. Moi, dans le retour écran, j'ai du mal à voir. Donc là, on va s'occuper de la du cœur. Alors, je vais refermer mon tube de colle. Je vais prendre mes perforatrices. Donc, on va commencer par cette perforatrice qui est dentelée. Et je vais venir découper un cœur dans le papier métallisé. Ensuite, dans une chute de papier blanc, je vais venir découper un deuxième cœur, mais cette fois-ci avec la plus petite. Comme ceci. Et ce cœur, on va venir le tamponner. Donc ça serait bien que j'utilise Je me dis que j'aurais dû prendre. Je sais ce que je vais faire. Oh non, ça va pas aller. Non, bah, on va garder ce papier blanc. Et là, c'est justement pour découper, pour tamponner un motif. Je vais essayer de prendre le lapin. Je vais prendre un bloc acrylique. Alors, je pense que celui-ci devrait convenir. C'est déjà un grand tampon, mais à la limite, j'ai besoin que de la tête du lapin, donc ça doit aller. Je vais regarder ce que ça fait. Je vais faire un essai et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre un papier brouillon. Je vais prendre mon encre Memento. Parce que je fais une colorisation avec les stampings. Et puis ben là, je vais tenter. C'est pas mal. J'ai mon petit lapin qui est comme ça. Il a l'air tout content. Et donc là, je vais prendre mon nettoyant à tampons.
repère. Et là, je vais réaliser ma colorisation. Donc là, ben, je vous laisse en musique. Je m'occupe de la colorisation et puis je reviens vers vous. Donc voilà, je laisse le fond volontairement blanc puisque je suis plutôt en mélodie de mangue et blanc. Et j'ai mis son ciré en mélodie de mangue. Donc comme je veux rester dans des teintes assorties, je ne viens pas faire de colorisation sur le fond cette fois-ci. Je viens coller mon cœur au centre du cœur festonné, comme ceci. Et ensuite, je viens coller mon cœur ici. Bon, je vais le monter au maximum parce que j'aurai plus beaucoup de place, mais je pense que ça va aller. Donc là, on va s'occuper des autres petits sentiments. On va s'occuper de, pour ça, de prendre ceci et ceci. Je vais prendre ma perforatrice double ovale que j'ai sortie et je vais seulement découper deux fines étiquettes. Hop. Tout à l'heure dans l'étiquette, je l'avais colorisée moi-même en couleur flamant fougueux pour que ça ressortait comme ici, parce que j'avais pas de chute de papier flamant fougueux et j'avais pas envie d'entamer une chute de papier, enfin du papier flamant fougueux juste pour une étiquette. Ici, j'ai une chute en mélodie de mangue. Donc je vais changer un petit peu, je vais récupérer, je viens placer mon papier comme je le souhaite et voilà. Comme ça, pas de petites économies, on utilise les chutes jusqu'au bout. Cette étiquette, elle pourra me servir une autre fois. Et là, du coup, je vais pouvoir faire ça comme ceci en décalé. Mais je vais d'abord venir tamponner mon tampon une journée du tonnerre. Hop. Ça va. Donc là, je vais coller mon sentiment. Je mets juste un petit peu de colle au milieu pour le coller en quinconce, comme ceci. Oups. Et là, je vais venir le coller un petit peu au-dessus, comme ceci. Voilà, voilà. Il me reste une dernière chose à faire, c'est écrire le mot pour. Alors là, c'est vraiment pas compliqué. On va prendre le mot juste pour toi, qui est ici. Je vais ranger mon autre tampon. Et puis, je vais essayer de reprendre mon encre Mélodie de Mangue. Je vais prendre, je ne sais pas si j'ai encore du masking tape, avait servi tout à l'heure. C'est la fin d'un rouleau. Donc là, tout simplement, je prends mon masking tape et là, je viens masquer le mot
sans m'embêter. Et par là aussi, je vais prendre le côté le plus droit. Pour laisser que le mot pour, sans souci. Et là, je viens tout simplement bien tremper mon encreur, enfin mon tampon dans mon encreur. Ici, j'enlève et je viens écrire le mot pour, tout simplement. Je vais prendre simplement mon massicot. Et ici, en plus je suis pas très droit, je pense. Et là, et ben tout simplement, je vais mettre le mot lire ici, à la place. Donc j'ai changé un petit peu ma disposition par rapport au marque-page précédent. Comme ceci. Et donc tout à l'heure, nous étions comme ça, lire pour une journée du tonnerre, lire pour une journée du tonnerre. C'est un petit peu différent, mais c'est le même principe exactement. Vous voyez qu'on s'adapte par rapport à nos créations, c'est libre. C'est ce que j'appelle des créations libres. Voilà pour le premier tutoriel. On passe au deuxième marque-page. Pour le deuxième marque-page, je vais prendre un morceau de papier à motif de mon choix. Donc bah, je vais rester sur mon petit... Bah, y a des... Je regarde ce qu'il me faut. Et là, il faut un papier de 10 cm. Je vais y arriver. Par 10 cm. Comme ceci. Donc là, nous faisons le marque-page coin. Donc le marque-page coin, c'est donc un carré de 10 par 10. Puis, on va faire des plis à 5 cm, quart de tour 5 cm. Donc on se retrouve avec quasiment 1, 2, 3, 4 côtés. Sur ces quatre côtés, 1, 2, 3, on va garder les deux du haut et celui du bas à droite. On va enlever le carré du bas à gauche. Donc on se replace à 5 cm. Et là, on va monter avec notre lame jusqu'à 5 cm également, tout simplement. Pour ouvrir notre carré. Et ici, on fait donc un quart de tour. On vient mettre le carré à 5 cm. Encore une fois, notre lame était toujours à 5. On la redescend jusqu'en bas. Et on a tout ça. Oh, il n'a pas bien coupé. Ça arrive parfois. Voilà, on enlève le petit carré ici qu'on n'a pas besoin. Donc on a un carré, deux carrés, et on a le carré du milieu ici, là, en haut, qui relie en fait les deux autres carrés. Ce carré, on va le couper en diagonale ici. Donc pour ça, je viens placer mon marque-page de cette façon. Je viens mettre la marque de pli ici, dans ma fente de massicot, et l'opposé ici, pour pouvoir couper proprement diagonale. Comme ceci. On doit garder ceci. Et nous avons déjà quasiment terminé. Voilà ce qu'on obtient. Donc, ensuite, moi je retourne. On va rabattre et marquer nos plis comme il faut, qu'on avait marqué tout à l'heure. Comme ceci. Vous voyez qu'on voit déjà notre marque-page. On vérifie qu'on est bien droit.
et que les plis sont parfaitement marqués. Et ici, on va simplement mettre de la colle pour coller celui-ci sur celui-ci. Donc là, je prends mon tapis. Alors, vous pouvez mettre de la colle liquide, mais pour ce genre de collage, j'aime bien utiliser les dérouleurs. Je trouve ça pratique. Et je travaille toujours sur mon tapis en silicone quand j'utilise mon dérouleur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le silicone est anti-adhésif et ça permet de bien retravailler. Notre dérouleur pour pas que des fois il se bloque un petit peu, il suffit de passer dessus et ça c'est parfait. Donc là nous avons déjà la base du marque-page. Il reste à le décorer. Donc tout simplement par exemple avec un petit motif. Donc pour ça on va prendre une chute. Alors vous avez plusieurs choix. Vous pouvez prendre une chute de papier blanc, réaliser un tamponnage que vous colorisez. Vous pouvez mettre une petite étiquette sentiment. Et vous pouvez aussi avoir la flemme, c'est ce que je vais faire, prendre vos plaques de coupe, et là, vous regardez les chutes qui vous restent, et je vais me choisir un petit motif, pourquoi pas ce petit lapin. Je vais prendre le petit lapin ici, donc je vais découper le plus gros. Et je vais venir le détourer avec mes poinçons. C'est ça qui est bien, on peut récupérer les petits personnages. Quand on n'a pas envie ou quand on veut faire un petit cadeau rapide, c'est pratique. Pas besoin de faire de tamponnage, de colorisation. C'est pour quand vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus rapide, mais c'est tout aussi sympathique. Donc je récupère mes plaques de coupe. Et j'ai une jolie découpe. Et ici, je vais pouvoir venir coller mon petit lapin. Et je peux même lui faire dépasser les oreilles si je le souhaite. Donc pour ça, je regarde à peu près où je vais devoir. J'ai déjà un petit peu oublié. Donc, je vais le placer comme ceci. Je pense. Donc, la petite oreille en entier ici, je mets de la colle, ici la moitié, et je viens rabattre là où je pense que ça va gêner. J'en mets un petit peu sur son pied pour venir le coller. Je vérifie que j'ai pas mis de colle où il faut pas. Non, c'est parfait. Et là, j'ai mon petit lapin. Alors comme ça, on voit pas grand chose. Mais je vais vous montrer dans un livre. Je fais de la pub pour Virginie Grimaldi. Et voilà ce que ça donne. En plus de ça, ça dépasse même un petit peu. On voit bien où il est le marque-page. Il y a la petite oreille qui dépasse. Et voilà. J'adore ces petits marque-pages tout rigolos. C'est vraiment tout mignon. Donc voilà pour le marque-page numéro 2. Je vais le ranger avec l'autre. Le marque-page numéro 3 est encore plus facile. Et pourtant, tout aussi original. Donc vous allez avoir besoin d'une bande de papier. Alors je vais prendre toujours une de mes bandes de papier que j'ai ici. Je récupère mes chutes en fait. Et donc le marque-page, c'est le marque-page que j'appelle sur la tranche. Il vous faut seulement une bande de papier de 14 cm par 2 cm. C'est vraiment pas grand chose. Donc, je vais tout de suite couper ma bande de 2 cm, puis 14 cm, comme ceci. Cette bande, on va faire un pli à 1. Je vais le retourner.
Donc un pli à 1, un pli à 7, c'est-à-dire à la moitié, puis un pli à 13. Je reprends mon petit tapis en silicone. Je viens plier en deux mon bandeau. Puis les extrémités, ils viennent sur l'extérieur, comme ceci. Et comme ceci. En fait, on doit obtenir ceci. On va simplement donc mettre de la colle. Surtout pas sur les petits rabats, à l'intérieur. Donc moi, je reprends mon dérouleur parce que c'est pratique. Parce que je peux mettre de la colle bien jusqu'au bout. Vous voyez comment ça colle ces dérouleurs? Et là, je viens m'aligner au bout et je viens repincer et retravailler mon papier pour être certaine d'être droite. Et là, je suis au bout exactement au même endroit et au même niveau. On a une plateforme, en fait, en haut. Sur cette plateforme, on va venir mettre un motif. Ce motif, ça va être un personnage. Alors, tout à l'heure, j'avais pris le lapin. Et ben cette fois-ci, je vais prendre quelqu'un d'autre. Alors, toujours pareil, j'aimerais bien prendre le renard. Le renard avec son parapluie, il est très grand. Je peux essayer. Allez, on essaie le renard. Je vais découper le renard et on verra ce que ça donne. Je reprends mon escargot. J'appelle ça un escargot. Et là, en fait, on va venir mettre de la colle sur cette petite plateforme. Donc, c'est parti. Là, on vient travailler à plat. On choisit où est-ce qu'on va coller notre renard, à peu près au milieu. Oh, j'ai vraiment bien calculé mon coup. Et là, nous avons un marque-page renard. Je vous montre ce que ça donne dans mon livre, encore une fois. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on va le poser, on risque de l'abîmer parce qu'il est fort large, ce renard. Mais vous avez compris le principe. C'est pour ça que j'avais fait le lapin tout à l'heure, parce qu'il est plus étroit. Maintenant, si vous avez un gros pavé, parce que moi, des fois, j'ai des livres qui font 800-900 pages, celui-là, il est assez court, il doit faire dans les 350. Voilà, ben, vous pouvez réserver ce marque-page pour vos gros pavés, sans souci. Je trouve ça très joli. Et vous pouvez même en mettre ici, si vous avez envie d'utiliser un autre type de marque-page. Donc voilà pour le principe. Hop, je l'enlève et on va passer au quatrième et dernier marque-page. Donc le dernier marque-page est un marque-page aimanté. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel différent. Vous avez besoin d'une paire d'aimants comme ceci. Alors moi, je les achète par paquet sur Amazon, tout simplement. On en récupère un, puis deux. Bien sûr, ils se recollent, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai mes deux aimants. Ensuite, vous allez avoir besoin du papier. Donc, il vous faut une bande de papier, enfin deux bandes de papier de 3 cm par 12. Donc, 3 cm. J'en coupe déjà une par 12. Par là, c'est droit. L'autre côté, c'est pas droit. Donc, je récupère ce côté-ci, 12 cm. Puis, je vais récupérer une autre bande de papier. Où est-ce que je vais avoir 12 cm? Je vais couper ça ici. Je garde. Bon, tant pis, je sacrifie une tortue. Quoi, on n'a pas trop le choix. Mais j'ai sauvé un petit lapin. Allez, 12 cm.
Il vous faut donc deux bandes de papier de 3 par 12. Identiques. Alors vous pouvez mettre l'intérieur différent de l'extérieur. Là, moi, je prends deux fois le même papier. Pas de souci. Ensuite, ces papiers, on va leur faire un pli dans la longueur à 6 cm. Tout simplement. Comme ceci. On vient marquer le pli. Je ne marque pas trop pour l'instant. On va corriger après. On va avoir besoin d'un petit morceau de ruban. Parce que j'ai mis un petit nœud. Comme il y a du blanc sur mon papier, je vais encore une fois laisser mon ruban blanc. Je prends une vingtaine de centimètres. Et je vais reprendre mon tapis silicone. Je ne sais pas pourquoi je le range. Je mets un tout petit peu de colle en haut. Je cherche où il est le milieu. Je viens fixer mon ruban à l'intérieur ici. Ensuite, je viens prendre ma paire d'aimants et je prends mon premier aimant. Dans le bas, mais pas tout à fait en bas, il faut qu'on ait de la place pour pincer l'aimant ici pour pouvoir refermer. Donc on ne le met pas tout à fait en bas, on laisse 7-8 mm. On colle notre aimant avec un petit point de colle. Le double face, ça marche très bien aussi, mais ça c'est comme du double face, c'est pour ça que j'utilise ça. Je viens le coller, le deuxième, l'aimanter dessus pour être sûr du bon sens. Là, je viens marquer comme il faut mon pli pour être certaine que ça soit OK. Je viens rouvrir. Et là, je viens mettre un petit peu de colle pour venir plaquer sur mon aimant. Et là, je viens décoller délicatement. J'essaie de récupérer mon aimant. C'est pas toujours évident. Là, il a décidé qu'il voulait rester collé. Je suis certaine qu'il est au bon endroit. Je vais pouvoir mettre de la colle partout. Alors là, bien sûr, je l'ai fait à l'envers. Parce que je ne veux pas les tortues, je veux ceci. Il va venir se placer ici. Donc je vais venir mettre de la colle partout. Même sur le bout ici. Pour ça, j'hésite pas à en mettre. Et je viens placer mon premier papier. J'aplatis bien mon ruban pour travailler à plat. Super. Donc là, j'ai bien compressé mon aimant à l'intérieur. Je vérifie si tout se plie comme il faut. Il y aura peut-être une petite, c'est normal, il y a l'épaisseur de papier. Donc mon papier extérieur dépasse, mais on va venir corriger ça avec le massicot si nécessaire. La même chose, je viens mettre de la colle partout. Et en particulier sur le bout pour enfermer mon aimant. Si j'ai des rabats de double face qui dépassent, je les mets bien à l'intérieur. Et là, je viens me plaquer comme il faut. Et là, je sais que c'est OK. Tout est fermé. Et je vais venir faire les finitions si nécessaire. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit décalage de même pas un demi millimètre. Donc il suffit de suivre le bord de l'autre, de venir raboter. Quand vous voyez ce que j'ai enlevé, c'est microscopique. Mais je trouve ça important de voir des finitions impeccables. Je suis OK. Vous voyez, ça se ferme tout seul. Donc là, je vais pouvoir faire un joli nœud. Voilà.
Et puis, bah, il reste à mettre un petit sentiment ou quelque chose. Donc, moi, j'avais utilisé ma perforatrice double ovale que j'ai rangée. Ça, ça pourrait peut-être le faire. Ça, par exemple. Comme ceci. Et puis, une chute de papier blanc. Assez étroite puisque je vais découper que la petite étiquette comme ceci. Vous voyez, donc il vous faut une chute en plus de papier à motif et une chute de papier blanc. Et là c'est reparti. Là c'était celui qui va dans ça. Je reprends mon tampon une journée du tonnerre et puis je vais le tamponner en flamant fougueux. Du coup, super. Et ici, je viens mettre de la colle. Donc là, je reprends de la colle liquide, ce qui est plus classique. Oula. Comme ceci, et je viens coller mon étiquette de la même façon avec un peu de colle liquide. Je choisis où je viens me placer, et une fois que tout est ok, j'appuie et nous avons notre marque-page tout mignon, tout petit et qui colle, qui est bien aimanté. Regardez. Vous avez entendu? Je clique. Donc je vous le montre dans le livre comme tout à l'heure. Je prends une page au pif. Je viens ouvrir mon marque-page. Je le glisse. Et là, magie. Regardez. Hop, c'est en place. Comme ceci. Et on voit où est-ce qu'on est. Donc voilà pour l'ensemble de ces créations. Donc voilà pour l'ensemble de ces marque-pages. Ça fait une belle production. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas vu souvent certains des modèles de marque-pages. Les classiques, bien sûr qu'on les voit très très souvent, mais ces marque-pages, enfin, c'est indémodable, ça marche très bien. On peut se faire plaisir, on peut même mettre un petit mot au dos et l'offrir à quelqu'un. C'est parfait. Ça, c'est un peu plus original, un peu plus rare. Ceux-là, je les ai déjà vus. Les aimantés, j'ai vu d'autres modèles. Ceux-là, j'avoue, je les ai jamais trop vus. Pourtant, ils sont tout simples à réaliser. Enfin, voilà. Ça fait une belle panoplie, je trouve. Nous, du coup, on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.